ようこそ皆さんソピです。そしておはようござるケンチン殿。ソピック、comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben ça va très très bien. Ça va très très bien. On se retrouve pour l'émission mensuelle, le group news. Le group news est certainement le dernier de l'année. Ah ben c'est sûr. Hein. Bah, c'est même sûr si c'est mensuel. C'est mensuel. De toute façon, on sera forcément pour le prochain. C'était pour prochaine. La petite note nostalgique. Allez. Voilà. Oui. Bah parce que ça arrive vite. Là, avec les fêtes de Noël et puis après, Nouvel An. Hein, ça y est. Oh, allez, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Autant quand on est en novembre, octobre, septembre, c'est super long. Parce qu'on y a hâte. Et puis après, fou, ça part d'un coup. Donc voilà. Bon, allez, vas-y, enchaîne. Je vais essayer, ouais. Le mec, il fait son délire. Voilà. Donc, je me suis réveillé il n'y a pas longtemps, c'est bon. Ah, ça fait plaisir de retrouver Kenshin, quand même. Eh ben oui, hein. Le groupe Second Games, donc on a passé les 50 membres, on est même maintenant à 52 comme ça, hop, d'un coup. Donc, merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour venir grossir nos rangs. Alors forcément j'ai pas tous les derniers, hein. il y a Michel et Didier, bonjour Michel et Didier, il y a Deobarto également, et puis il y en a d'autres mais je peux pas trier les membres par ordre d'arrivée, du coup je sais pas exactement qui c'est qui est arrivé en dernier, mais bienvenue à vous et merci de nous avoir rejoints. Ensuite, tout à fait, et la prochaine fois on attendra Jackie et Michel. Oui. Oh, mais alors celui-là. Voilà. C'est comme la présentation hein, que tu nous as fait, hein. L'humour de merde. Quoi, qu'est-ce que j'ai fait comme présentation? Putain, il est en train de rallonger la vidéo pour rien, lui. Qu'est-ce qu'il raconte? Allez. Bon, non, vrai, allez. Qui êtes-vous? Un petit tour autour des discussions où il y a une nouvelle discussion qui a commencé, vous voyez, 17 décembre. Et déjà 10 messages en 3 jours, mais c'est fou. Mais quelle folie! Qui est un topic en fait de présentation où vous venez un petit peu vous présenter. Donc certaines personnes sont venues le faire, hein, Gensly, donc moi forcément, Deobarto, il y a Zacharias 30, Docteur Papa Dodu et Ronan Celt, voilà, qui sont venus se présenter. Donc n'hésitez pas si vous êtes nouveau sur le groupe, puis même les anciens parce que la discussion vient juste d'apparaître. Et de venir vous présenter un petit peu qui vous êtes, histoire que peut-être qu'il y a des sujets que l'on a en commun et sur lesquels on peut discuter, ça pourrait être assez sympa. Voilà pour la nouvelle discussion. Ensuite, quelque chose à rajouter là-dessus, mon cher Kenshin? Non, que je vais faire ma présentation aujourd'hui. Comme ça, vous en saurez un petit peu plus sur moi. Et puis voilà, non, tout simplement. Je vais me présenter sur ça, sur ce niveau. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Comme ça, ça va permettre aussi les personnes, peut-être qu'il y aura des affinités qui vont se créer, etc. Et puis de faire vivre encore plus le groupe. Ouais. C'est vrai que j'ai pensé à cette discussion parce qu'il y en a certains qui se présentaient un petit peu vite fait dans d'autres discussions ou quoi. Donc je sentais qu'il y avait du mal à suivre. Ouais, c'était pas facile à suivre et je sentais qu'il y avait une envie comme ça de venir rencontrer un petit peu du monde. Donc voilà. Allez, on va faire un petit tour du côté des membres. Puisque en fait le Steam nous offre la possibilité de mettre en avant un joueur. Donc nous, c'est pas forcément un joueur, ce sera un membre. Hein. Il y a pas de truc là-dessus. Hop, je vais aller dans la gestion des membres. Vous voyez qu'on peut choisir le joueur de la semaine. Alors, on ne va pas s'amuser toutes les semaines à choisir quelqu'un. Mais à chaque groupe news, ce serait assez sympa de mettre en avant un des membres. Alors, sur quels critères? Donc, déjà, un membre actif qui fait vivre le groupe. Et ça servira essentiellement à le remercier de rendre la chaîne et le groupe actif. Et si possible, ce que j'aimerais, c'est que cette mise en avant serve à la personne qui a été choisie. Voilà, histoire de rendre un petit peu l'appareil. Et puis, éventuellement, ça peut permettre à certaines personnes qui sont actives en dehors du groupe et en dehors de la chaîne, d'être un petit peu mis en avant. Ça met un petit peu leur pub et du coup, ça crée une sorte de petit réseau, une petite émulation comme ça pour que tout le monde monte ensemble. Ouais, allez, plus haut, plus fort. Heureusement que je ne suis pas filmé parce que je fais des gestes à la con, je te raconte pas.
Je m'étonne, toi tu la vis, hein. Tu le vis. Ah ouais, je suis à fond là. Je suis à fond. Donc il faut cliquer là-dessus et surtout pas à côté. Hein. Vous voyez, hein, cette petite croix là serait fort malvenue. Hein. Kenshin y verra ça quand il regardera la vidéo parce que forcément l'écran n'est pas partagé. Mais ce serait dommage. Donc il faut choisir ici. Je ne l'ai encore jamais fait. Et nous allons le faire. Et le premier membre, finalement, il s'est un petit peu imposé de lui-même. Il a déjà été mis en avant dans certaines vidéos que j'ai pu faire. C'est notre cher modérateur, Gunsly21. Clac! Voulez-vous les lire? Oui, je peux les lire. Et voilà, il est devenu en direct, ou presque, hein, parce que la vidéo n'est pas encore montée. Il est devenu en direct joueur de la semaine, et donc membre du mois. Dessus. Alors pourquoi Gunsly21? Alors si vous traînez sur le groupe, forcément vous avez vu des messages de Gunsly, parce qu'il poste énormément de messages. Donc déjà c'est pour le remercier d'être autant actif. Il fait énormément de partages. Et puis surtout, Gunsly a... Hop, on va aller voir tout de suite. Tac, tac, tac. Discussion. Gunsly a également une chaîne du coup qu'il a créée il n'y a pas si longtemps que ça, avec Planet Coaster. Alors, c'est où? Vos vidéos, vos partages. Voilà. Donc voilà, il a créé une chaîne. Voici ma chaîne. Voilà, c'est expliqué ici. Où il fait des lives sur Planet Coaster. Et notamment quand il a participé au Jardin Royal. La deuxième fois, parce qu'il me semble que la première fois, tu n'avais pas encore ta chaîne, Gunsly. Enfin bref, tu me corrigeras si j'ai dit des bêtises. Ça, je compte sur toi là-dessus, il n'y a pas de souci. Et sur ta deuxième participation au Jardin Royal, tu as fait ta création en direct sur ta chaîne. Donc il y a comme ça des rebonds entre les deux chaînes. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu sa chaîne si de temps en temps vous voulez comme ça aller voir un petit peu de live sur Planet Coaster et puis également sur de temps en temps d'autres jeux. Tu avais fait une découverte sur Steep également. Et après, je ne sais pas si tu as fait d'autres découvertes. Hein, j'avoue que je n'ai pas forcément le temps d'aller voir. Mais du coup, voilà. je te mets en avant pour que tu puisses avoir un petit peu plus de visibilité. Et voilà, ah, il est là, voilà, voilà, il est en dessous, je me demandais où est-ce que ça allait s'afficher. Vous avez les membres à la fin de l'aperçu, vous voyez joueur de la semaine du groupe Gunsly21, qui est notre seul modérateur pour l'instant. Je vous rappelle que pour passer modérateur, c'est pas pour faire de la modération effectivement dans les discussions, mais c'est surtout si vous avez des événements. Par exemple, Gunsly fait des lives, donc il peut créer des événements qui s'affichent ici, là, pour prévenir qu'il va faire un live. Donc si vous avez également des choses comme ça que vous aimeriez prévenir les membres du groupe qu'il va y avoir un événement ou autre, et ben oui, vous avez également la possibilité, voilà, de passer modérateur. Voilà. Bon, moi j'en ai fini avec les informations du groupe News. Qu'as-tu à dire, mon cher Kenshin? Bah que je vais revenir sur la chaîne, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas pu poster. Pour différentes raisons et puis différents petits problèmes, alors que ce soit au niveau réseau, informatique, tout ce que vous voulez, et aussi de projets de vidéos. Donc voilà, donc j'ai plusieurs petits projets dans ma tête, en particulier de présentation de jeux rétro, puisque apparemment, d'après justement ton nouveau sujet sur la présentation de qui êtes-vous en vrai, il y a beaucoup de vieux. Comme j'ai vu. Alors déjà, vieux, c'est relatif, parce qu'à partir de 28 ans, si on est déjà vieux, bah punaise, qu'est-ce qu'on devrait dire? Donc voilà, donc ouais, faire des petites découvertes ou des petits let's play, je verrai un peu comment j'organise tout ça, et puis s'il y a des membres de groupe qui veulent éventuellement me donner des idées, bah ça sera avec grand plaisir. Donc déjà une petite partie rétro, et après j'attaquerai sûrement des petits tutos spécialisés donc sur Arc, en particulier, que j'ai commencé un petit peu à doser, et d'autres petits jeux en suspens. Voilà, jusqu'à ce que je rejoigne vraiment le Planet Coaster Team, hein, sur notre chaîne. Parce que moi, quand je commence à faire un jeu, en général, voilà, j'y vais à fond les ballons. Donc j'aime bien me mettre sur un jeu, et puis après, j'y vais. Hein, ouais, parce que si je commence à passer 10 minutes sur chaque jeu, je vais jamais y arriver, en fait. Tout simplement. Ouais, faut savoir que moi, quand je commence un jeu, plaisir. Quand je commence un jeu, je vais aller le doser 20-30 heures, et puis après, Kenshin va s'y mettre. Et genre, en une semaine ou deux, il m'aura explosé. Voilà, c'est ça, en fait. J'ai passé 150 heures dessus, et puis, et voilà. Puis voilà. Mais une fois qu'il m'aura explosé, moi, je vais lâcher le jeu de mon côté, parce que ça va me dégoûter.
Et moi j'aurais découvert tous les bugs. Donc voilà, donc j'ai toutes ces petites choses là qui se. Mais voilà, mais vous inquiétez pas, d'ici, bah, je pense, dès les prochains jours, de toute façon, il y aura de nouvelles petites vidéos jusqu'à ce que je prépare bien les vidéos sur les jeux rétro et autres. Et voilà, et si vous avez des idées ou si vous voulez participer ou autre, eh ben, n'hésitez pas à laisser un petit com et puis il n'y aura pas de souci, je vous accueillerai à bras ouverts. Vie, vie, vie! Les bras ouverts, Voilà. méfiez-vous quand même, hein, mais. Voilà, en toute amitié, amicalement. Parce que Sopi qui pense toujours à des trucs un peu bizarres, donc voilà. Et Ouais, c'est ça. puis voilà, et puis oui, comme je me moquais un petit peu là sur le truc déjà qui Michel tout à l'heure, je regardais juste le profil Michel et Didier. Là, ils m'ont battu complètement hein, sur Elder Scrolls Skyrim, hein, avoir passé 5400 heures, je crois que le membre du mois. Franchement, je vois ça, je fais ah ouais, d'accord, quand même. Donc voilà, c'était juste la petite aparté parce que j'adore ce jeu et puis voilà, donc peut-être que je vais m'y remettre. Donc voilà, Voilà, donc respect, à Michel bon Olivier. On entendeur. va terminer sur vous. Voilà, avec le nom que j'adore, quoi, c'est ça qui me fait délirer. Donc voilà, et félicitations à Gunsly pour être devenu le premier membre du mois sur la chaîne Soken Games. Donc voilà, Eh ben, pour ma écoute, on part, en a c'est bon. fini alors. Eh ben, on Bah vous ouais. souhaite de très bonnes fêtes. Oui, profitez bien, mangez bien, hein, pétez-vous la panse. Et puis eh ben, on se retrouve très bientôt sur notre chaîne, Soken Games, et puis mon petit Sopic. Hein. Bah oui. Vu que ce sera notre dernière petite session aujourd'hui avant certainement l'année prochaine. Et ben, je te souhaite aussi de passer de bonnes fêtes de Noël et de fêtes de fin d'année pour que tu puisses en profiter pour te reposer. Voilà, Ouais, surtout. on va essayer. C'est pas gagné, mais on va Surtout. essayer. Voilà. Ok. Bon, bah Allez. alors, nous, on vous dit à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Jana. Jana.